Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Et puis quoi encore? On sait très bien qu'elle est retenue ici. On va exposer cette sale traîtresse à la vue de tous! Ouais, amenez-la nous! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ignore comment le bruit s'est répandu, mais ces gens savent que Fordola est emprisonnée ici, et ils réclament qu'elle leur soit livrée. C'était donc vrai! L'exécutrice est vraiment là! Pourquoi vous la protégez? Remettez-nous cette charogne! On va lui infliger le sort qu'elle mérite et l'écarteler vivante! L'écarteler? En faisant ça, vous vous abaisseriez au niveau des impériaux. Reprenez vos esprits, s'il vous plaît. C'est hors de question! Les crânes ont assassiné mon fiancé! Elle doit payer! Moi, c'est mon père qu'ils ont tué! Vous avez oublié que cette traîtresse et ses hommes ont massacré un grand nombre de vos camarades? Elle mérite pas de vivre! Voilà donc la source de toute cette agitation. Mes amis, écoutez-moi. Mais c'est qui, celui-là? C'est Roban, le taureau d'Alanigo. Je comprends votre peine et votre colère. Pourquoi? Parce que moi aussi, je ressens la même chose. Ces sentiments sont si forts qu'ils sont comme une douleur qui menace de nous déchirer de l'intérieur. Cependant, je vous en conjure. Pensez à ceux que les impériaux nous ont enlevés. Pensez à leurs bien-aimés, à leurs familles, à leurs amis qui attendent anxieusement leur retour. Nous ignorons où notre ennemi a conduit ses otages. Je suis certain que vous comprenez l'importance de trouver une réponse à cette question. J'entends bien vos cris de vengeance et de justice. Je souhaite néanmoins que vous attendiez avant de prononcer une quelconque sentence à l'encontre de cette femme. Si nous la tuons maintenant, elle ne pourra plus rien nous apprendre d'utile. Le peuple d'Alamigo est à l'aube d'une ère de changement. Une nation nouvelle va bientôt naître. J'en appelle donc à vous tous. Laissez à vos futurs dirigeants les moyens de connaître la vérité et de prendre les bonnes décisions. Ce sera à eux de juger les criminels et de leur infliger les peines qu'ils méritent. Pour l'heure, même si je conçois que c'est difficile, je vous demande de contenir votre rancœur. D'accord. D'accord. Mais je pardonnerai jamais à cette garce.
Regardez qui voilà. Vous êtes venus m'humilier tous ensemble, c'est ça? À moins que vous ne soyez ici pour écouter ma dernière volonté, tout ce que j'espère, c'est que vous mettrez fin à ma misérable existence. Ni l'un ni l'autre. Comme je te l'ai dit avant, je compte te laisser la vie sauve. Mais ce n'est ni pour t'humilier, ni pour savourer ma victoire. Imbécile. À quoi bon me garder en vie? Je n'ai plus aucune raison d'être. J'ai fait tuer mes propres camarades. Un sacrifice inutile, parce que j'ai fini par être vaincu. Il ne me reste plus rien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort et sois franche, veux-tu? Malgré la cruauté de tes actes, ils n'étaient pas sans raison. Si tu as fait tous ces sacrifices, c'était pour que les Miguas recouvrent leur fierté. Et il t'a forcément fallu beaucoup de détermination et de courage pour agir ainsi. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais tout. Fordola, allez, viens, ou nous allons être en retard pour la réception. Il y aura même le seigneur Gaius. Oui, maman. Papa, papa, c'est qui Gaius? S'il te plaît, dis-moi, je veux savoir. Voilà un moment que tu ne m'avais pas bombardé de questions. Je commençais à m'inquiéter. Le seigneur Gaius, ma chérie, c'est le gouverneur de notre province, un monsieur très important. Si on ne se dépêche pas, nous allons rater notre chance de le voir. Sale traître. Papa? Papa? Ça veut dire quoi, traître? Dis-moi, s'il te plaît. Tu veux savoir ce que ça veut dire, gamine? Des traîtres, c'est des gens comme ton père et ta mère. Des ordures, qui ont vendu leur pays et leurs proches pour avoir la vie facile. C'est pas vrai! Mon papa et ma maman, ils sont gentils! C'est pas des ordures! Si tes parents sont si gentils avec toi, c'est parce qu'on doit souffrir à cause d'eux. Mais ça, tu peux pas le comprendre, sale morveuse! Attention! Traître! Soldats, vous devez intervenir! Mon mari et ma fille sont en danger! Nous autres, Garlemaldé, n'avons pas le temps de nous immiscer dans les querelles de vulgaires sauvages. Osez-vous dire cela? Nous avons le statut de citoyen. Ah! Papa, j'ai peur!
Ne t'inquiète pas, Fordola. Un jour, ces gens comprendront que ça ne sert à rien de s'opposer à l'Empire. Si ces barbares veulent se battre entre eux, grand bien leur fasse. Mieux vaut ça que de les voir diriger leur agressivité contre nous. Ne fais pas ça. Tu es une citoyenne de l'Empire. Tu n'as rien à gagner en t'enrôlant dans l'armée. Que fais-tu avec ce tatouage sur le visage? Je me disais bien que tu le reconnaîtrais. C'est le même tatouage traditionnel que portait papa. Montre avec ce symbole Migwa. Les Garles Maldais te traiteront comme une sauvage. Vraiment? Ne viens-tu pourtant pas de dire que j'étais une citoyenne de l'Empire à l'instant? Que tu le veuilles ou non, les Garles Maldais ne voient en nous qu'une bande de moins que rien, citoyens ou pas. Ils ne nous considéreront jamais comme leurs égaux. C'est pourquoi j'ai décidé d'entrer dans l'armée et d'obtenir suffisamment de pouvoir afin de faire taire tous ceux qui me manquent de respect. Je ne finirai pas comme mon père. Hansfried, Rudolf, Emeline, vous êtes prêts? Nous allons leur montrer qui nous sommes et ferons tout ce qui est nécessaire. Nous gravirons les échelons pour recouvrer notre fierté, quel qu'en soit le coût. Tu veux te faire exécuter, pas vrai? Tu penses sûrement qu'en concentrant toute leur haine sur toi, les gens retrouveront un sentiment d'unité? Non. Si tu voulais simplement en finir, tu serais déjà morte à l'heure qu'il est. Un vêtement ou un drap t'aurait aisément permis de te pendre. Je me trompe? La ferme! Non, je ne me tairai pas. Et tu sais pourquoi? Toi et l'autre. Vous avez vu mon passé, c'est ça? Ce n'était sûrement qu'un minuscule fragment de ma vie. Ne croyez pas tout savoir grâce à ça. Vous ne savez rien de moi. Rien! Tout ce que je voulais, c'était montrer à ceux qui ont tué mon père que je valais mieux qu'eux. J'étais prête à tout pour ça. Même à acquérir ce maudit pouvoir. Ah !
Et toi, comment arrives-tu à endurer un supplice pareil, à contenir un tel pouvoir? Toutes ces souffrances, ces trahisons, ces sentiments intimes de parfaits inconnus, comment peux-tu continuer à aller de l'avant en étant exposé à tout ça? Bordel. Tu as encore du temps devant toi. Profites-en donc pour bien réfléchir à l'avenir. Venez, sortons d'ici.